D'accord, Makoso, ça c'est un blanchissement d'argent. Parce que à ce que toute la Côte d'Ivoire sait, on sait que Makoso était en prison pour une histoire d'escroquerie, pour une histoire d'arnaque. Makoso, laisse savoir, ta richesse là, ça sort d'où? Je fais plantation de tomates, D'accord. de maïs, de manioc. Je vends et je loue voitures. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! On connaît, j'ai vendu ça aujourd'hui. La troisième des choses, je construis maison et je vends maison. Tiens, on peut faire ça. Les terrains qui sont là-bas, là, c'est là-bas que je construis mes maisons. Voici mes réponses. D'accord. Mais à ce que Est-ce moi que je tout sache, ça, on à peut ce que moi je vérifier? sache. Attends, mon frère. Aïe. Est-ce qu'on peut vérifier derrière MPT là? Aïe. C'est pour Non? ça que je vous dis tous les jours, là, vous prenez un gars du palais, vous dites, général, allons chez toi. Et puis on s'en chez moi. Ok. Aïe. Est-ce qu'on peut vérifier? D'accord. Encore ENPT encore. Voilà lui qui vend mes maisons, même. Voilà ça. Voici l'une des maisons. Lui qui vend mes maisons, voilà ça. Ça, c'est l'une des constructions qu'on vient de finir. Ça, c'est lui qui vend mes maisons. On va prendre simplement un de ses Voilà. audios. Oh Un de ses audios, par exemple. Bonsoir, on continue la visite. Hein. On continue la visite. Le monsieur qui voulait faire un prêt bancaire, là. Lui, finalement, il dit bon, ben là, sa femme peut me faire et tout. Depuis lui, il m'a plus fait de retour. Je l'ai relancé, il dit de patienter. Voilà. Bon, n'empêche qu'on ne l'attend pas. Hein. On continue toujours d'essayer de vendre ça. On a eu des propositions de 75 et puis de 80. Donc, comme ça ne passe pas, voilà, on continue toujours. Est-ce que pour ça, tu as besoin de beaucoup 75 et 80, ça ne passe pas parce que notre maison, je la vends à 80 millions, mais j'ai annoncé à 90 millions pour que les revendeurs puissent avoir au moins quelque chose. Donc, s'ils vendent à 80 millions, même moi, je ne les donne pas. Voici ce que je fais, puis je mange. D'accord, Makoso, ça c'est un blanchissement d'argent. Parce que à ce que toute la Côte d'Ivoire sait, on sait que Makoso était en prison pour une histoire d'escroquerie, pour une histoire d'arnaque. Makoso a arnaqué des personnes qu'il voulait faire venir en Europe. Et sur le plan de, comment on appelle, il y a une histoire qui s'est passée sur Makoso et que même Raoul Wafo, l'histoire, c'est un de mes amis même qui vit ici en Europe, c'est un pasteur. Donc du coup, Makoso... Moi, je ne crois pas à ça parce que déjà, Makoso qui quitte en prison à un moment donné, vous êtes quitté en prison. Je ne me souviens pas si c'était en 2001. En 2001, Makoso est sorti. Makoso qui était censé rembourser l'argent de tout le monde, Makoso n'a pas remboursé l'argent des gens. Et Makoso qui s'est levé, qui dit non, que lui, il est le président de tous les pasteurs. Et comment est-ce que Makoso s'élève, de la manière Makoso s'est levé? Non, je viens, attends, doucement, tu m'as posé une question, laisse-moi finir. Motion accordée, Babani.